Le statut du Coran dans la Risale de Shafi'i. Shafi'i avait pour but dans sa Risale épître de prouver qu'il est impossible de fonder une jurisprudence sans tenir compte des dits, hadiths, khabar, des récits du prophète. Et même lorsque ceux-ci sont rapportés par une seule et même personne, une personne unique, qu'on appelle en arabe, soit pour la personne, soit pour le hadith, hadith fard ou hadith wahid. Ainsi, la sunna se trouve être le pendant du Coran et doit être mise au même niveau. C'est un ouvrage polémique contre les rationalistes de l'islam, les mu'tazilites bien sûr, les philosophes, les théologiens, les juristes partisans du ra'i, opinion personnelle. Une pensée pour Shafi'i n'est donc valable que si elle se réfère aux anciens, à Salaf. Shafi'i adopte une position salafiste, ultra-orthodoxe, ce qui justifie l'accusation de ses contradicteurs qui ne reconnaissent que le Coran. Je cite « Tuqimuna akhbarahum maqama kitabillah » Le « hum », ici le pronom, renvoie aux compagnons et aux suivants du prophète. Shafi'i va donc s'évertuer à réfuter cette accusation en montrant que la sunna est révélée au même titre que le Coran. Sous cet angle, la risala résonne comme une apologie des hadiths et de la communauté jama'a, qui les sanctifie. De fait, le Coran risque de perdre son importance en faveur de la sunna et se trouve relégué au second plan. Mais de quel Coran s'agit-il? Tout simplement, du Coran singulier, un canonique, la version dite othmanienne, omayyade en réalité. Shafi'i semble ignorer totalement le Coran pluriel, non othmanien, celui des variantes proclamées non canoniques des siècles plus tard, ces variantes qui affectent le ductus consonantique qui déborde point diacritique, inflexion casuelle ou morphologique. Il évacue le Coran pluriel, traite des variantes des hadiths rapportées par une seule personne, comme on l'a vu, plutôt que des variantes du Coran rapportées par plusieurs personnes, sonnant par là même le glas des sciences coraniques. Par exemple, le Coran du berger Abdallah bin Mas'ud, sauvé de l'autodafé othmanien, est totalement absent de son épître. Ainsi affirme-t-il, « Je reconnais le livre de Dieu, dont personne ne peut mettre en doute, ne serait-ce qu'une lettre. « Kama ashhadu bi kitabi, alladhi la yasa'u ahadan ashakku fi harfin minh » Voilà donc une petite introduction. Je passe à une première partie où Shafi'i va essayer de prouver que la tradition, la sunna, est révélée. Comment prouve-t-il que la tradition est révélée? Il cite le verset 113 de la sourate An-Nisa. Dieu a descendu sur toi le livre et la sagesse. Anzalallahu alayka al-kitaba wal-hikmah. Il choisit d'interpréter le mot « hikmah », « sagesse », comme étant l'ensemble des dits du prophète, et il confère à la sunna un ancrage divin et coranique. C'est là une exégèse fantaisiste qu'on ne rencontre nulle part chez des exégètes comme Tabari, Qurtubi, et même chez Muqatil bin Sulayman, que Shafi'i tenait en haute estime. Par ailleurs, il n'y a aucun consensus sur cette interprétation de la hikmah, concept qui lui est pourtant si cher.
Chiafiri se trouve en contradiction avec ses propres principes, ceux-là même qui régissent son système de pensée. Il n'y a pas de ijma là-dessus. Ensuite, il se fonde sur le verset 36 de la sourate Al-Ahzab pour nous fournir une autre explication erronée de la sagesse. Et souvenez-vous de tout ce qu'on récite dans vos demeures des versets de Dieu et de la sagesse. Le mot sagesse ici renvoie au Coran et ne saurait signifier les dits du prophète, car ces dits ne sont jamais récités ou psalmodiés, comme le Coran. C'est un immense contresens. Enfin, Shafi'i n'a de cesse de rapprocher le statut de la sunna de celui du Coran, tissant des similitudes à tous les niveaux. Et il fait référence à un hadith pour justifier cette ressemblance. Le prophète aurait dit « Tout ce qui vous parvient de moi, comparez-le au livre de Dieu. S'il lui est conforme, c'est que je l'ai dit. S'il ne l'est pas, c'est que je ne l'ai pas dit. » En fait, on est en face à un argument tautologique. On essaye de prouver quelque chose par un dit qui a besoin lui-même d'abord d'être prouvé. En outre, si on applique ce dit, la moitié de la jurisprudence disparaîtrait. Beaucoup de prescriptions n'étant pas coraniques. La lapidation des adultères, les conditions du testament et de l'héritage, les sanctions à l'égard des voleurs, etc. etc. Ces méta-hadiths, comme outils de décodage des autres, sont nombreux et plus on s'éloigne de l'époque prophétique, plus ils se multiplient et viennent combler, avec d'autres hadiths, les silences coraniques. Et plus on avance dans la Risala, plus la Sunna se superpose au Coran et on devient la rivale au lieu d'en être le complément. On arrive maintenant à l'argument essentiel de Shafi'i. Là, c'est un scoop. L'obligation divine d'obéir à son prophète qui est infaillible. Nous allons là traiter un point problématique et crucial, car Shafi'i va être rattrapé par le Coran pluriel qu'il a nié au début. Shafi'i cite le verset 171 de la sourate An-Nisa. Vous le connaissez peut-être. Wa aminu billahi wa rusulihi. N'est-ce pas ? Croyez en Dieu et en ses prophètes. C'est au pluriel. Prophète est au pluriel. Or, Shafi'i met prophète au singulier. Dans le texte, il met « Wa aminu billahi wa rasulihi ». Changement de ductus. Rusul, rasul. Croyez en Dieu et en son prophète. Pour signifier ici que le prophète dont il est question est bien celui de l'islam et non Jésus. Analysons cette anomalie. Cela ne peut être une faute d'orthographe. C'est exclu par le contexte. Durant près de 12 siècles, les copistes de la Risala ont reproduit ce verset avec cette erreur, sans se rendre compte que ce n'était pas conforme au Coran osmanien canonique, où prophète est au pluriel. C'est Ahmad Shaker, il faut rendre à César ce qui est à César. C'est Ahmad Shaker qui la relève dans son édition critique de la Risala. Pour ma part, j'y vois peut-être là un lapsus, lourd de sens. Shafi'i veut tout rapporter au prophète de l'islam, alors que dans le verset, il s'agit non seulement de Jésus, mais des prophètes antérieurs, wa rusulihi au pluriel. J'y vois aussi une variante qu'il aurait trouvée dans l'exégèse de Muqatil bin Sulayman. Muqatil a précédé, n'est-ce pas, Shafi'i, d'une soixantaine d'années. Car effectivement, Muqatil, ce dernier, explique qu'il s'agit du prophète de l'islam, tout comme Shafi'i.
Donc, dans le Coran de Muqatil, prophète était écrit sans doute au singulier. Et un simple détail grammatical devient l'exemple vivant de l'évolution du texte révélé. Après le passage de Zayd bin Thabit à la tête du comité de rédaction du Coran, Othmanien bien sûr, qui avait pour but d'uniformiser le texte, les strates anciennes s'estompent, laissant derrière elles des traces qui témoignent de cette évolution. D'où la pertinence de la réponse d'Ibn Shanabouz à son juge Ibn Mujahid, qui va fixer plus tard les sept lectures du Coran. Ce Ibn Mujahid qui condamne Ibn Shanabouz, comme il a condamné le grand mystique Al-Hallaj. Quelle était cette réponse lancée à la figure d'Ibn Mujahid ? Al-qira'atu sunna. Les lectures, les variantes du Coran sont une sunna. Je passe maintenant à une autre contradiction interne de Shafi'i, c'est ma deuxième partie, où, face au hadith 1, Fard, il va parler du Coran pluriel, lui-même qui nie le Coran pluriel. Pour aller plus loin encore dans la défaite de Shafi'i face au Coran pluriel, abordons la question du tashahhud. Qu'est-ce que le tashahhud, pour ceux qui ne savent pas? C'est le credo récité durant la prière collective en liturgie musulmane. Vers la fin de son épître, Shafi'i évoque la version d'Ibn Mas'ud, qui rapportait que le prophète leur enseignait ce credo comme s'il leur enseignait une sourate. Shafi'i poursuit, je cite Shafi'i, « Peut-être que le prophète a autorisé chacun à réciter comme il a retenu, tant que le sens n'altère pas un jugement de Dieu. » Et peut-être que ceux dont le credo diffère l'ont développé. Ils ont récité tel qu'ils ont retenu, tel que ça s'est présenté à leur esprit, tel qu'ils y ont été autorisés par le prophète. Dans cette réponse, comme dans tant d'autres, pour Shafi'i, peu importe la forme du discours, du moment qu'on ne rompt pas l'illicite, al-haram, licite, halal. Du point de vue textologique, il reconnaît des changements de lexique et de structure. Cet aveu ne résout pas la question de la formation et de la transmission des hadiths ou du Coran. Le problème soulevé ici est d'autant plus délicat qu'il s'agit d'une prière, tashahhud, et non d'un simple dit hadith. Le témoignage d'Ibn Mas'ud marque toute l'attention qu'accordait le prophète à l'enseignement d'une prière. C'est comme s'il enseignait une sourate. Est-ce à dire que le prophète autorisait des changements dans le texte? Shafi'i l'affirme ici et reconnaît d'une certaine manière, et je souligne d'une certaine manière, un Coran pluriel. Preuve en est le récit suivant qui fonde chez les spécialistes la pluralité des lectures, leur légitimité aussi. Notons au passage, s'agissant de prières, qu'elles appartiennent ou non au corpus othmanien, que Shafi'i ne soulève nullement le statut de la Fatiha qui ne figure pas dans le Coran du berger. Ibn Mas'ud. Mais passons plutôt au récit qui nous intéresse. Omar ibn al-Khattab dit « J'ai entendu Hisham réciter la sourate Al-Furqan de manière différente de la mienne, alors que le prophète me l'avait apprise. J'ai failli me presser vers lui, mais je me suis retenu. Attendons qu'il termine. Alors je l'ai saisi par la cape et emmené chez le prophète. Ô messager de Dieu, j'ai entendu celui-ci réciter la sourate Al-Furqan différemment de ce que tu m'as appris.
Le messager de Dieu lui dit alors, « Récite !» Il récita, comme je l'avais entendu faire. Le messager de Dieu lui dit, « C'est ainsi qu'elle est descendue. » Descendue, révélée. Hein. On garde le sens étymologique arabe ici. Puis il me dit, « Récite !» Je récitais. Il dit, « C'est ainsi qu'elle est descendue. Ce Coran a été révélé selon cette lettre. Récitez donc ce que vous pouvez. » Ou, dans une autre traduction, « Ce qui est dans votre capacité, ce qui est facile pour vous. »« Ma tayassara minhu. » Encore une fois, Shafi'i bat en retraite et admet des différences. Pour légitimer les variantes des hadiths, il légitime les variantes du Coran. Et le voilà à nouveau en contradiction totale avec lui-même, pris dans les filets du Coran pluriel. Bien que contemporain de Sibawayhi, aucune trace de la moindre explication grammaticale chez Shafi'i dans ses analyses. D'un revers de main, il balaye l'épineuse question de cette lettre. À propos de Sibawayhi, vous savez, Shafi'i aurait voulu appeler son épître Al-Kitab. Al-Kitab, vous savez, c'est le livre de Sibawayhi, mais n'est pas Sibawayhi qui veut. Hein. Selon moi, le prophète, fils d'une culture orale, qui avait entendu les prêches de prêtres, devins et prophètes, entre guillemets, de la Jahiliya, dans les foires publiques, autorisait différentes récitations. La participation de plusieurs locuteurs ou lecteurs ne pouvait qu'enrichir le texte. Le prophète voulait que les Arabes, si éloquents, s'approprient le Coran, l'assimilent, le reproduisent. Il veillait à tout cela et accordait sa bénédiction quand il le fallait. On appellerait cela imprimatur dans une autre culture. Cette oralité de la société du prophète est une clé essentielle pour appréhender l'histoire du Coran pluriel, surtout durant la période mécoise. C'est entre deux qui pactisait avec la Jahiliya, la niant et la revendiquant dans le même temps. C'est pour cette raison que le prophète répugnait au début à ce que le Coran fût écrit. Cela ne remet nullement en cause le caractère divin du Coran. Le Coran a connu une évolution avant et après avoir été fixé par écrit. Les manuscrits de Sanaa apparemment attestent ce fait, outre la littérature classique des variantes. L'orthodoxie le reconnaît, ayant recours au hadith des deux révisions, Arda, avec l'ange Jibril, l'année de la mort du prophète. Pour ceux qui ne connaissent pas le hadith, en gros, le prophète révisait le Coran avec Jibril une fois tous les ans, l'année de sa mort, il l'a fait deux fois. Bien. Alors, authentique ou pas, ce hadith donne bonne conscience à l'orthodoxie. Mais rien ne prouve que le Coran haussmanien ne soit celui de la deuxième révision, ni que le berger, compagnon du prophète et lecteur, un des premiers lecteurs, c'est celui que le prophète a chargé de clamer les premières sourates à la Mecque, c'est Ibn Mas'ud. Ni que ce lecteur Ibn Mas'ud ne l'ait manqué, c'est-à-dire manqué cette deuxième arda, cette deuxième révision. Ce fut en fait un prétexte pour l'évincer de la rédaction définitive. Ni le calife Osman, ni le rédacteur Zayd ne voulaient de l'oralité créatrice des Arabes, du prophète et de Dieu à ce moment donné de l'histoire de l'islam. Avec Zayd, on entrait dans une nouvelle ère, celle de l'univers figé, de l'écrit. À mes yeux, le Coran reste une œuvre collective, eh oui, reflétant le génie des peuples de la péninsule. Il me resterait beaucoup de commentaires à faire
sur la Risala, mais aussi sur les deux ouvrages qui l'ont précédé. Jima' al-ilm, l'ensemble ou la somme de la science, et sur Ikhtilaf al-Hadith, de la différence des hadiths, ayant tous trois servi à l'élaboration de cette intervention. Ikhtilaf al-Hadith et Jima' al-ilm sont antérieurs à la rédaction définitive de la Risala. Mais il me faut conclure. Shafi'i est la pierre angulaire de l'orthodoxie, la sunna, lorsqu'il l'élève au rang du Coran, livre révélé. Cela a eu un effet néfaste sur les sciences coraniques et le texte fondateur en lui-même. Il est temps de faire ou d'opérer une rupture épistémique et épistémologique quant à l'étude de cette grande civilisation islamique et orientale, et du Coran, qui en fut le souffle créateur. On aura ainsi d'autres interprétations de l'assassinat du calife Osman. Il aurait été tué parce qu'il aurait effacé le livre de Dieu, Kanfer, Sijistani et d'autres sources arabes. En fait, j'ai oublié de vous dire que je ne me fonde que sur des sources arabes, c'est volontaire. De la bataille de Siffin, où l'Omayyade exhibait au nez de Ali l'exemplaire du Coran de Ousmane, sachant que Ali avait son propre Coran. La bataille de Siffin est une bataille de Coran. Hein, je dois dire que celui qui m'a orienté vers la relecture de la bataille de Siffin, paix à son âme, c'est Claude Cahen, mon prof d'histoire à Paris 3, à qui je rends. De la victoire, du massacre de centaines de lecteurs proches de Ali et d'Ibn Mas'ud par le sanguinaire Al-Hallaj durant la révolte d'Ibn al-Ashas. Al-Hajjaj, qu'est-ce que j'ai dit? Excusez-moi, mea culpa, mea culpa. Al-Hajjaj, durant la révolte d'Ibn al-Ashas, je vous renvoie ici à mon émission sur France Culture avec le regretté Abdel Wahab Medeb, où j'avais traité de cette question. Du problème du Coran créé, Mohdath, des Mu'tazilites, puisqu'ils disposaient de différentes versions du Coran. De la victoire des grammairiens de Basra sur ceux de Koufa. Et pourquoi? Parce qu'ils s'intéressaient, ceux de Koufa, aux variantes. Ces variantes devenues non canoniques, la grammaire de Koufa a disparu, hein. Du message implicite d'Ibn Jinni qui, dans son livre de lecture non canonique, Al-Muhtasab, et là je dois la relecture à Gérard Troupeau, que Dieu ait son âme, affirmait souvent que celle-ci était grammaticalement plus correcte que les canoniques. C'est ce que prouve Ibn Jinni, que tout ce qui est non canonique est plus juste. Et qu'Ibn Mujahid, finalement, ne connaissait pas le Coran, tout simplement, les différentes variantes. De la position fréquente de Aïcha, épouse du prophète, qui disait qu'il arrivait au rédacteur du Coran de somnoler, voire de s'endormir, et de se tromper en rédigeant. Enfin, de la disparition quasi totale des ouvrages des Masahif, c'est-à-dire des Corans et des variantes irrégulières. On en avait une quinzaine, il n'en reste plus qu'un, celui de Sijistani. Le prophète aurait dit, qui fournit un effort, ijtihad, et dit vrai, a deux mérites. Mais qui fournit un effort et dit faux, n'a qu'un seul mérite. Je me contenterai d'un seul mérite.